Monsieur Franco Le Mignon, je vous décerne ce prix panafricain d'action sociale et humanitaire de l'association Savons du Cœur en tant qu'hôtesse de l'agence de voyage général Express Voyage qui est partenaire de l'événement. Merci. Également votre trophée. Le trophée? Waouh! Et bien, on peut arrêter ça et voir le trophée. Caméraman, il faut bien zoomer sur le trophée si c'est parce que. C'est un agent, maman. C'est un quoi comme ça. Voilà, le trophée est là. Le trophée est là. Voilà. Ok. Oh. Je vais arrêter. Je pose un peu ça. Ok, merci. Voilà, me permettez un peu de lire. Je dis déjà merci aux promoteurs, je ne sais pas si c'est à plusieurs. De l'association Savons du Cœur. J'ai dit merci également à Général Voyage, Général Express, qui est partenaire de l'événement, comme vous avez dit. Permettez-moi de lire un peu quelques lignes là. Le prix est destiné bel et bien à Franco Le Mignon, le prix de l'influenceur web le plus social et humaniste 2022-2023 au Cameroun pour ses actions remarquables en faveur des couches défavorisées et personnes vulnérables. Voilà. Il faut rappeler que l'association, c'était leur 15e édition. Ils m'ont appelé quand... en fait, ils m'ont appelé pour me dire, Franco, tu es nominé, ça va être nommé, c'est nominé. Tu es nominé à notre festival, notre award de récompense. Mais vous vous rappelez que vous avez dit ces choses-là ne m'intéressent plus. Voilà, c'est ce que j'ai dit directement ce jour-là que, monsieur, vraiment, les festivals m'ont tellement déçu au Cameroun. Moi, je ne veux pas ça. Il m'a dit, vous êtes nominé et on ne peut plus enlever votre nom. Il dit, bon, moi, je ne peux pas faire la publicité. Quelques mois après, le même monsieur m'appelle encore pour me dire, monsieur, vous avez eu le prix. Il dit, hey. Donc, il y a encore les festivals pour Cameroun, qu'on remet vraiment les prix aux gens qui ont vraiment mérité. Et bon, voilà donc, les gens ont voté pour vous, malgré que vous avez refusé de faire la publicité, puisque j'avais dit que je ne fais pas la publicité. Et voilà, allez sur la plateforme, vous allez voir les votes, ainsi que les jurys, vous êtes vainqueurs. Et votre billet est disponible. Malheureusement, c'était à Douala ce jour-là. C'était le week-end passé. Je n'étais pas disponible. Et j'ai envoyé mon représentant prendre le billet. Le jour de l'événement également, mon représentant a eu un énorme souci. Il n'a pas pu me représenter. Voilà la raison pour laquelle c'est Général Express qui me remet le prix aujourd'hui. Vraiment, ce prix me va tout droit au cœur et ça me permet de croire vraiment qu'il y a encore des personnes sérieuses au Cameroun. Pour ceux qui ne comprennent pas, l'association, l'événement, en fait, ils priment chaque année, je ne sais pas si c'est chaque année, c'est après, chaque deux ans, les Camerounais dans plusieurs catégories. Moi, j'étais nominé dans la catégorie de l'influenceur web social et humaniste. Ça veut dire que celui-là qui est venu en aide aux personnes vulnérables au cours de l'année 2022-2023. Voilà donc le prix. Je vous dis merci, c'est Dieu qui va faire le reste. Général Express, je vous dis encore merci. Merci. Attention. Voilà, donc je remets le trophée. Caméraman, tu filmes encore quoi? C'est son dos. Alors, c'est l'histoire de Soy, une jeune psychologue de 38 ans qui a ouvert son cabinet pour aider des gens à trouver des solutions à leurs problèmes. Pourquoi c'est un peu comme la sorcellerie? Moi, en tout cas, vous voyez. Elle a beaucoup de combats intérieurs qu'elle mène. Voir un enfant de 16 ans capable de porter une grossesse quand toi, ça te dépasse encore. Tout va bien? Marie de Soy, je suis absorbé par la rigueur de ma mère qui me dit « Si t'as pas un enfant, c'est que t'as pas encore de femme. » Je ne vois pas à quoi se questionner sur ta capacité à faire un enfant, c'est te critiquer. Le mariage de ma fille bat de l'aile. Déjà, elle est partagée entre son bureau, là où elle traite ses patients, et son foyer. Du moment où il n'y a pas d'enfant, c'est pas du tout facile pour elle. Je connais le chemin de ton bureau. Il va te paraître moins long à ma compagnie, tu vas voir.
C'est un personnage très futé qui ne dit rien pour rien, qui ne fait rien pour rien. Et puis il se dit, son grand frère Paul n'a pas assez de caractère pour pouvoir assumer les responsabilités de la famille. Qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider dans cette affaire, Soy? Je veux simplement qu'on me fiche la paix. Mystère, suspense, frisson. Et Wusu, c'est une battle pas possible entre la sorcellerie et la psychologie. Maria, est-ce que tu m'entends? Quelle est la place de la psychologie dans notre société africaine? Nous avons appliqué un cabinet spécialisé dans les affaires de sorcellerie au quartier. Et je pense que peut-être à travers cette série, beaucoup de gens vont commencer à consulter les psy. Moi aussi. Bonjour, je suis Jeanne Benti. Gabrielle Hervé Gouette. Marie-France Barga. Daniel Sang. Je suis Blanche Bilongo. Retrouvez-moi dans Ewusu. Votre nouvelle série Canal Plus Original. Bientôt et seulement sur Canal Plus Première. Les vraies choses des Blancs. Inédit. Ewusu, votre nouvelle série Canal Plus Original. Bientôt et seulement sur Canal Plus Première.